On a créé Guinée comme un dimanche fourrier, ce soir, on a un Malik Camara. Tant qu'on est au Mbour, on a un Mbour informé de Kina, il est bon, il est là. Ma bille est là, dimanche fourrier, Guinée a fini sur ce soir, on a un Mbour. On a un Mbour, on a un Mbour. Il boira gré soi. En finit en a. En finit mieux. Et fatamana d'un route. Yaman est nara. Narayo. Il a décision de frère l'indérafa. Quand on a la Guinée servie. Fait faillera. On a un homme à la Guinée servie, mais il a fait quoi? Un combat à Birma Handi. Alors, on a un enfant à ma bé à la Guinée servie. Et ici, c'est une manière d'informer, pas pour insulter ni manquer de respect aux gens. Wayne Namboria et Lama. Et nous haram, et nous haram, Wayne Namboria et Lama. On a qui, Rio Nagatagan, même pour 10 ou 20 minutes, Arabaïra Nation, ça vaut le coup. Ici, aux États-Unis, bientôt 27 ans ici, en Amérique ici. Ina Mato, Miri Kemenani, Miri Tongo Saran, Nanana, Assemblée Kui, Tongo Saran Nusuli, 435 personnes. Et mon feu-feu-ma, c'est pour discuter les choses pour l'Amérique, comment gérer ce pays. Y compris les 100 sénateurs. Ça fait 635 personnes. Ni nanana, ni toujours. Bore ni sirama, bore fama. Pas d'arrêt. Alako, Amérique mouti ma kinare, parce que Amérique nanana, dunia bonera ha yese yanyo. C'est un nom fade borima. On est dans un moment difficile qui. Moi, je respecte tout le monde, sans exception. J'ai ma conviction, j'irai jusqu'au bout. Je ne vais pas changer. Dans Amérique, c'est fini. Parce que mon frère est tout. Quel est qu'on a créé l'air, non? Il est grévé en 1993, il est décembre. L'an 2009, j'étais à New York, aux Nations Unies. Han Alpha Khafa. Dans ça, New York, on continue à parler. Les choses dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'à Moulangue, aujourd'hui, Bori n'a qu'une rue, dans Cyril Mangue, dans Cyril Bori, Ntamara. Mais ce qui n'est pas baloté, il n'y a pas de sotodé. À l'obé. En fin de transition, dans Mamadiraba, en fin de ce sera. Il faut créer l'emploi pour la jeunesse. Ou à faire dans un homme. Mais, Mérie Filimane, ministre de la Kérin, c'est rare à faire des frères. Non. Recyclage aux États-Unis, faut te voir. Il y a un peu. Parce que c'est un cabinet après.
la fonction publique. Il faut que tu aies un crime, mais ce n'est pas émission manassaron. Et maintenant, les House représentatifs, deux annara. Agnon, Kaï, Inara, Aropla, Blama, Ira Geni, Alabari Mali, Betten en Fafi, Nafira Al-Kouhar, les Hamasara. Depuis la Guinée, Narada. Car les Kerenara, Yerma, Amoussigama Daoude, les mêmes personnes, les mêmes groupes. Amoussangima. Pourquoi? Moi, Falari. Nal parti nanaki. Tant que au monde Berenama, la Guinée mon avancement. Parce que Mirina n'a fait que 30 ans, 40 ans. Amour Bori avancé. Hamma m'a dit femme l'air parce que moi falarne. Moi falarne alphabet. Alpha Ibarafa. Mais. J'ai fait presque tout mon temps après Fouria, c'était Conakry. Et je suivais. Oui. J'observais. Je voyais presque tout. Ça, c'est avant même Alpha. Alors. Nabara a nié de sortir de la Guinée. Parce qu'il n'y avait plus d'espoir. Avant même Alpha. Ce qui veut dire. Connaît très bien la sociologie de ce pays. Qui est bien et qui n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ça n'avance pas. Non, voilà. Alphabet, Amouti. La transition, c'est nous qui avons parlé de la transition. Et j'étais très content. Et puis, je ne le regrette pas, hein. À finir ma regret, c'est quand je vois le recyclage. C'est là-bas que je n'ai pas aimé. Moi, j'ai ce que j'ai fait dans ma vie là. Dans la marande de à continuer. Si y a la infidèlement. Quand Naraba, Moula, quand on compte ma ibuna dans ma salon. Hamfra. Et le dead Kaglissa, il va m'en aller en Wamba. Naraba m'a dit être indépendant, cohérent de ce que tu fais. C'est tout ce que moi je demande à tout le monde. Ma combat n'a rien qui, je ne suis contre personne dans ce pays. Mais, fais la rambarde, moi, je ne suis pas obligé de m'en aller. Fria. Falloir un tangourou. Ok. Hanser Touré Fara de Le Moussa entre Conakry Fria, entre Conakry Boké. Parce que Naruto est brim pratiqué. Alors que Fria était une usine, la première usine d'almine ou quoi en terre africaine. On a que le péchiné d'Anger Fena. Il fallait créer. Qu'on appelle les 505 break ou 504 break pour pratiquer la route Fria parce que c'était tellement mauvaise, s'il faut, de Fria qu'on a créé. Après, on a envoyé les Renault 16. Pourquoi? Alors que c'est les millions, les multiples millions qui quittaient à Fria. Mon oncle était là, était un cheminot. Parce que Moubabi Nara et ça de Conakry Fria. Moubli Manamasson.
je ne m'amuserai jamais au progrès de ce pays. Ce que j'ai vu ici aux États-Unis, que j'ai pratiqué ici, la Guinée-Noumar Badé. Cela va permettre les jeunes qui font de n'importe quoi d'aller travailler, d'asset, d'assolani. Notamment, donc, il faut voir que là, on m'a dit, je vais en faire là-bas. Puis, on a mis 3 ans. Il n'a donné que la chance aux bandits de détruire le déni public dans ce pays-là. Je vois ce qui se passe. Je suis quotidiennement en Guinée. Je ne suis pas parti politique. Non. Pas de recyclage. Je suis en Guinée. Mais il faut voir aujourd'hui. Je suis en Guinée. Je suis en Guinée. Je suis en Guinée. Je suis en Les 20 ou 50 millions ou quoi peut faire beaucoup de choses partout en Guinée. Haute-Guinée, Basse-Guinée, Haute-Guinée, Irindena. J'ai écouté Ousmane Kaba hier. C'est le coin le plus sec. Sec. Irindena, Nayemuna. Il fallait envoyer 1 million ou 2 millions de dollars là-bas. Et compagnie Haya. Et ces gars, et ça, forage et condition de vie améliorée. C'est ça un chef. Je ne vois pas ça. Je n'ai rien de mauvais contre qui que ce soit. Qui que ce soit. Mais moi, je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas. Mais la vérité sera là. Moi, j'ai connu beaucoup de choses avant même de rejoindre les États-Unis, au sein de l'armée, partout. J'ai des amis de la promotion 90, parce que Nalba Yaorina à Conakry, 90, 93, j'étais à Conakry déjà. J'ai des frères aujourd'hui qui sont colonels, des jeunes frères, hein, qui sont colonels, commandants, des amis généraux. C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est de changer le système de gouvernance dans ce pays-là. Terminer. Pas d'ethnocentrisme. Créer l'égalité et l'union entre les Guinéens. C'est ça. Pas autre chose. D'abord, il faut que je me donne une photo. C'est pourquoi ici. C'est pourquoi je me donne une photo. Alors, je ne comprends pas. La femme le monde en falari, mon honoré avant même la transition. Remontant finement là, quand on colla tira d'arroi ici ma, néné, on a élection na baba. Élection na baba. Parce que il est, le pays est bloqué au niveau international. Auprès de la banque centrale, banque mondiale, ainsi de suite. Parce que les femmes investissent et bien à cobri presque à quel moment ne mais garantir à l'homme à fin de l'année parce que pays africain c'est trop d'or il est nara il est muragara trop muragara un homme à badar l'or ébri donc n'a qu'oui qu'à pouvoir civil n'a fin n'a y aura j'ai écouté Ousmane Kaba, c'est bien ça, Nana Yatara. La Guinée aujourd'hui est parmi les pays les plus pauvres au monde. Pourquoi ça? Tant que on a la Banque mondiale a investissement dans notre pays. C'est plusieurs domaines. Parce que l'agriculture, c'est un peu de temps. Avec des ingénieurs agronomes. C'est un peu de temps. Il faut un fonds. Faut que tu aies cobre la boule, rare les tirara, suivi nam.
on va gérer nan nek ta pouvoir civil nan fa et ma toma sono crédibilité nan ramma et ma toma sono bori don makina à long terme. Mais la Guinée aujourd'hui est endettée, hein? Dette interne, externe. C'est pas bon. C'est nos fils, les petits-fils qui vont payer ça après. C'est ce qu'il faut arrêter. Un chef, c'est d'arrêter les vols publics. Ceux qui te flattent, prennent des millions de dollars, aller mettre ça quelque part. C'est pas ça. Parce que mon homme a contrôlé. Moi, je t'ai dit, je vous dis, hein, Tony, vous voyez, maintenant, il m'a dit, faut laisser le pouvoir organiser les élections dès maintenant. Ici, tu peux venir ici aux États-Unis. Trois ans. Tu as l'argent. Viens prendre ça ici. Moi-même, une femme est irée, et j'ai gagné dans la cour, mais l'herbe est arabe, et je peux me déplacer east-west. Vamfito, il est arabe, et voilà la Guinée Mali. Tu vas revenir. Non, dis-nous, fais la fille, Benek, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Tu es ici préparé conséquemment être un leader, un homme d'État, tu vas gérer correctement ce pays qui t'est. N'était pas préparé pour être un homme d'État, non? Ils l'ont conseillé et il a accepté. Partir et revenir, c'est ça le rôle d'un militaire au pouvoir. Arrêter tout le monde, tous ceux qui ont volé. Il y a trois ans dans Dangiri. Vol, nanana, c'est grave. Amagaou. Mais quel est le vol, Amagaou? Mais Mirkeme? Non, d'abord il a bien la manée. Il n'a ce sourire même. Mettez-vous à l'aise, mes frères et sœurs. Moi et mon avocat particulièrement. Non, aucun problème avec qui que ce soit. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est d'aider ce pays et les gouvernance de ce pays-là. Je vais à ma avocate, parce que ton moment pour moi, mon temps, juste. Question dit, non, ma voix maman, que pour ouvrir les esprits des gens, c'est tout. Donc, ouais. Nanara, toi, Inafura, Gawinare, Farama, la Guinée, avec tout ce qu'on a eu à détourner dans ce pays, quand il y a hôpital, mon Awinira. Ah, mais maintenant, Ibarakan Bibri, des petits trucs, même un simple truc, je ne sais pas, il faut l'évacuer. Une bourse sanitaire dans un pays pauvre comme la Guinée. Voir combien ça va coûter au gouvernement. C'est trop. Il faut chef. Quand on a pris le contrôle, à sa minima dit, des normes. C'est pourquoi l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Tu ne peux pas nommer des gens qui ne sont pas compétents. C'est ce qu'on a dans ce pays-là. Mato, le président Sidi Atoufa, quand je l'ai rencontré ici à Washington, Maran Kalimangera, le gouvernement Kwame Nkrumah nomina, il a évalué tout le monde et il a apprécié, c'est-à-dire tout un chacun, qui était capable, n'était pas capable. Ah oui. Parce que chef là, il n'a qu'une. Il a mis un mot. Il n'a pas fait. Est-ce qu'un homme ira? Il n'est pas là pour me flatter ou pour me voler. Ou pour voler ce pays. Gouvernement militaire, mon homme, il faut faire un bon financier, un bon technicien. Il n'y fait reçu un mot. Parce qu'il t'a le cobre à ce moment-là. À mon moment, les redevances minières, basse côte, pendant combien d'années? Il y a un office au FAB, CBG au FAB, à l'hôpital, l'hôpital détruit,
du cobre milliard avec la avant avec la création de l'ANAIM nana serba wona est-ce que hôpital de tirna bofa birimbe boke birimbe na am fin hôpital tangay muna bangima ngoma hôpital nangon di c'est-à-dire un hôpital de référence dans la sous-région la guinée no matide han frisa han nani kerem baskot kerem haute guinée kerem moyenne guinée kerem guinée forestière avec des milliards qu'on détourne, qu'on envoie à l'extérieur. Ça n'a pas d'importance. Et ensuite, créer les écoles techniques dans notre pays. Cela va garder la jeunesse, donner l'espoir. C'est tout ce que moi je demande. Parce que je suis dans un pays développé. C'est l'Amérique. L'Amérique l'a développé. Et je suis partout aux États-Unis, East, West. Aux États-Unis. Hangouan, Américain Samoa, Macron, sur les macroniciens. Oui, j'ai été tout. Donc, je ne sais pas à quel moment je suis et ma suis fama je fama enfara. Je n'ai rien à envier en Guinée. Aujourd'hui, s'il s'agit de quand il s'agit, n'est-ce pas, ou faire quoi, je ne sais pas. Non, ça c'est pas mon programme. Ce n'est pas dans mon programme. Ça c'est fini ça. Moi j'ai fini de travailler. Ambition non, mais c'est de voir les Guinéens en train de travailler aussi. C'est tout. Mangayona Krema, je vais t'accompagner à 100%. Et les Guinéens vont t'accompagner à 100%. That's all. I don't care. I even don't want to talk about it. If you're good, you're good. If you're not good, you're not. Ma ressource, c'est comme un demi-dé pour voir la Guinée aujourd'hui. Il faut voir les autres. Alors, Monsieur Bangoula, et patron, Arbar Dijon. En fait, ouais, ça va. Et week-end, et bon. On fait nana. Ah bon, je suis au bureau là, je suis en train de travailler un peu, bon. Voilà. Alors, je m'excuse du dérangement, mais moi, je suis à la cour, il y a un autre, mais parce que, il y a un parce que, il y a un problème dans le coup, il y a un tomate. Patrice Lumumba est guinéen de Rafira ou la secrétaire particulière. Qui était cette dernière? Ndara, Hanou Wanga dans le Fibetam. Je vous remercie, monsieur Camara. Vous savez, on a fait Narakuiki. Ala au Mali. Ala mamina. Oro tabu nambe quoi parce que mama ngatsa irende bo rendez-vous c'était trop calme. Oui. Ben. Le dernier a fait au mafina. On y était final. Qui n'a pas pris ma tête non dinara. Mais tant tara uru. Mais dunia ala rabir moy le rapi ala mamina ngana rambe awu mugi ne pe malamba ya ko lo sindi amu musiron ketan wa mali mana nango buri wa makobri nango mu kra malamba ora kra malamba wa fatam mane eh wina mali mana pe man nan kra sindi amu abu mu kra malamba nam ketan di mo preoccupation nan kelim ba pourquoi nous sommes incompris. Moi particulièrement, il peut bien aller défendre les militaires des filles de Bangera. Ou moi, petit à maman, il n'a pas été à moi pour se rompre. Non, comment est-ce que nous avons un la Guinée Nambé, il n'y a aucun problème. Mais remonte la Guinée Rabé, par notre monde, on va continuer de tabac. Il va ramener? Non. Donne-moi une minute, la maille va m'aller, il va laver. Garé.
You got it. Voilà. Donc, et attends, on a le temps de parler. La Guinée fait un amour fou. La femme a kick. Dans les pages, on a rien. À mon monétiser l'ocre. Je vois mes vidéos sur, je ne sais pas, YouTube ou whatever. I don't know. Je suis en train de Dangima, la Guinée est à mon Dangima. On a 66 ans en cui. Pourquoi on a tout le talafé en ya? N'a point. La Guinée n'a rien yeti, la Guinée gère et n'a colon. Il tondera soigner d'une fine rara. Tant que à mon soin, tant que Walim soit à Kaye, n'a rien de ma faladi. Y'a que le roro, mon nom. Oui, on est où? Donc, Rio, Miri, il nous fait parce que je suis parfait. Je ne suis pas un homme parfait. Je fais des erreurs à tout moment. Il faut un homme de moi, comme tout le monde. Il a fait des détours. Viens, appelle-moi. On va essayer de you know, on en parle et puis bon. Nare ibe ma faladi cadre mon la Guinée na mon homme la Guinée ya lande mais tout wallahi khiti sidi akambira on nomme nesgade yare parce qu'il connaît qui est qui très bien na wona mona yo na été na wona ma je sais qu'on a des intellectuels dans ce pays là. Oui, monsieur Bangoura, vous pouvez continuer. Alors, on a quatre bagnets. Non, 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 Nanara, c'est comme ça. J'ai des rendez-vous. Voilà, j'ai des rendez-vous jusqu'à 18h. Bon, alright. Bon, c'est à cause de ça. Et j'étais en train d'arranger. Alors, on l'a sabo, on y a préoccupation pour le mara. Non. On ne peut pas comprendre. Et t'as la préoccupation, la Guinée, elle a fait Nara. Elle a la préoccupation, elle a fait Nara. On a profité de la bestie. A quoi on a marqué mal à dire quoi pour t'emballer? Ma voix est très faible. Nous mérions ma faible gomme. Pour affaiblir. La vie n'est que tout. On nous traite mal. On a y allé. On l'a mal rendu. Mais on a pas eu mon bénéfice dans cette vie. Je compte mal. Je suis pas là-dedans. Je veux pas que mon nom soit associé à ça. Le travail pour l'histoire de la femme Mangoumdile. Ce que les hommes ne savent pas, mais nous avons la question répondu. Moi, j'ai perdu les êtres qui me sont très très chers à cause de la Guinée. Parce que Wangan Pekra n'a pas de mousse à la Kraon. Mon frère, je parle, c'est une question de conviction. Sinon, je n'aurais pas accepté de venir en exil. Sinon, je n'allais pas accepter de sacrifier même ma famille. Parce que la Guinée, là, encore, dire mais bien, il n'y a mais il a tout. Il a beau, il a peine à dire, il y a un abîme. Et il y a un abîme à la Guinée. Mais si c'est le prix à payer, nous allons payer ce prix pour que la Guinée rafle. Nous avons la paix, d'autres l'ont fait. Avant nous, d'autres ont été affectés ailleurs. Ils ont perdu leur carrière, d'autres ont été radiés. L'administration coloniale. Mais on y a avant de donner le patriotisme. Peut-être qu'il y a d'autres qui ont hérité, il y a des souverains, mais des n'allaient où il en cuit. Et c'est comme ça. Alors, ce n'est pas la peine de vous fatiguer. Nous pouvons nous entendre pour gérer bien la vie. Dans une gestion, je m'en fous là-bas. Et moi, je vais bien être en bas. Il y a un temps, mais que je ne réponds pas à vivre à faire. Mais de grâce, on pense au peuple. On passait au bas peuple, ainsi de suite. J'ai vu Mobutu.
Comment il a terminé? Avec tout ce qu'il a fait. Je ne vais pas dire que je vais vous trouver. Amouna. Bon alors, parlons peu, parlons bien. On m'a préoccupation dans Kirimara. On a acheté de l'argent dans tout, mais rien ne me dit. Zéro. Alors, qu'est-ce que l'histoire va retirer de lui? Voilà. C'est le plus important que tout. Moi, je n'ai rien contre Mamadi. Je le respecte et je le respecterai. Je dis que je serai même un jour son avocat. C'est comme ça que je parlais à toi. Je n'ai pas un problème personnel. Personnellement, Alpha a travaillé avec mon oncle, tonton et Amami Bango, tous ceux qui ont vécu à Paris. Il me la connaît. Il a vécu aussi avec le prince de Wankipo, qui est mon oncle aussi. Il a même travaillé sur ce dernier. Mais alors, avec ton un peu de carapace, là, il ne peut pas. Il faut arrêter un peu. Respectons-nous un peu. On fait au bien appelé d'autres bébé. Mais nous nous retournons à la bébé de la Guinée Rumba. Et qu'il a vécu dignement. Papa, mon atome. On a vu des gens, des anciens ministres. On a vu des anciens ministres qui m'ont dit. Ah oui? On a vu des anciens ministres. Hein? Et l'argent qu'ils ont détourné. Ça aussi, ça a été détourné par d'autres seuls. On a vu Ismaël Touré, tout ce qu'il a détourné, diamant, quoi, ainsi de suite, les mines, c'était où? Aujourd'hui, sa famille a quoi? Rien. On a vu le contentieux avec la famille Anne, machin, ainsi de suite. Je connais beaucoup de choses. Je ne veux pas parler. Arrêtons un peu. La Guinée, mettons la Guinée au-dessus de nos intérêts personnels et individuels. Il ne s'agit pas de le dire, il s'agit de le faire. Tout à fait. Alors, la dame là, dont j'ai fait allusion, elle s'appelle André Bleuel. D'abord, avant de parler d'elle, il y a un livre qui a fait allusion à lui, le livre Mobutu. Et c'est édition Perrin. On a parlé de cette dame sur la page 88. Et en disant, Aléo Larry Deblin, chef d'antenne de la CIA, ne voit pas à Lumumba un communiste, mais il le juge manipulé par la Russie et soumis à l'influence des militants profondément anti-occidentaux, comme son secrétaire particulier. De Gaulle, Serge Michel, un Français au service de FLN algérien, ou la chef du protocole guinéen, la chef du protocole d'une beauté ravageuse, André Blouin, émissaire du président guinéen Sékou Touré. Dalvin a des raisons de s'alarmer. Voilà le passage. Moudangi m'amènera. C'est pas moi qui le dis. Hein. Déjà, c'est la dame là. Qui est cette dame? Oui. De son vrai nom, elle s'appelle André Madeleine. Il est là. Elle est née le 16 décembre 1921 dans le village de Blessou, en République centrafricaine. Elle est le fruit de l'union d'une femme africaine d'origine Bouziri et d'un homme d'affaires français. À une époque où le mariage interracial était réprouvé, les enfants métis étaient placés dans l'orphelinat. Brouin n'y échappera pas. À l'âge de 3 ans, cette petite est arrachée à sa mère et elle a été confiée dans le couvent. Et elle était confiée à des religieuses à Brazzaville, d'où elle ne sortira que 14 ans plus tard.
Et quand les sœurs ont voulu arranger un mariage entre elle et une autre personne, elle a réussi à s'enfuir à l'âge de 17 ans. Elle a quitté, révoltée par la ségrégation raciale dans les colonies européennes d'Afrique. L'ON s'engage pleinement dans la lutte politique qui aboutit à l'indépendance au Ghana, de la Guinée et du Congo. Une vie privée très chargée, je ne vais pas rentrer dans ça. Ouais. Installée en Guinée avec ses enfants et son nouveau mari, l'ON se rallie en 1957 au mouvement indépendantiste du RDA. Elle rejoint Sékou Touré, chef du Parti démocratique de Guinée, section du RDA. Elle a été expulsée de la Guinée par les autorités françaises. Après l'indépendance, elle va se retourner en 1958, elle va se retourner encore en Guinée, elle va s'installer. Elle sera parrainée par Nkrumah et Sékou Touré en créant le mouvement féminin pour la solidarité nationale au Congo, MNC. Le 30 juin 1960, l'un devient chef de protocole au sein du gouvernement de Patrice Lumumba. Alors, je me limite à ça. Voilà brièvement la dame métisse, qui était une amie aussi à Hadj André Touré, et qui a joué un grand rôle aussi, et qui était le chef protocole, la chef protocole et secrétaire particulière de Lumumba, qui était la personne la plus proche de Lumumba. Elle était très belle. Et ce qui est curieux dans tout ça, et les Américains vont dire à un moment, en 1961, après, avant l'arrestation d'abord, de Lumumba, avant l'assassinat de Lumumba, Lumumba a été arrêté, et après, avant son assassinat, parce que Lumumba a été livré comme un colis. Le nom de l'opération même est connu. Voilà. Et le nom de projet sorcier, et Lumumba, on l'appelait le gros lapin. Parce que hier, je me suis un peu trompé de quelque chose, voilà. Lui, on l'appelait le gros lapin. Et le nom de projet, c'était le projet sorcier. Alors, mon frère, le nom de l'opération, c'était le projet sorcier. Et le patron de la CIA va faire le compte rendu, même aux États-Unis, en disant que la dame elle a été neutralisée. Parce que elle-même, dès qu'on a arrêté Patrice Lumumba, et avant qu'il ne soit assassiné, la dame a été expulsée aussi du Congo. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle va mourir en 1986. Bon, avant tout ça, elle est allée s'installer à Paris, d'abord à Genève, ainsi de suite. Et nous savons ce qui s'est passé. Parce que bon, il y a d'autres détails qu'on peut s'en passer. Voilà. Parce que nous avons vu que quand Mobutu a arrêté, tombé, il avait demandé d'abord, il n'était pas président, mais il avait demandé à Tombé et Kazabougou d'abord, et il avait demandé à ces gens-là de payer beaucoup d'argent. Et dans son compte en Suisse, a été alimenté avant qu'il ne soit président d'abord. Voilà. Et Mobutu, c'est autre chose, sa vie aussi. Et beaucoup de chefs, la junte travaille comme ça. Et lui aussi, quand il a pris le pouvoir, il a parlé de 5 ans. Chez nous aussi, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont parlé de 5 ans. C'est la naissance d'une dictature. Mais, Mme n'a pas fait ici. Ou voilà, Bintou, Molito. La preuve, je vais vous dire quelque chose. La dite Camara, sa secrétaire particulière, c'était qui? Macron. Ah bon? Alors, c'était Madame Annie? Elle était Madame Doumbouya, elle est métisse, elle était le consul de Suisse en Guinée, et elle gérait les cités
Elisa 2000. Alors, c'est elle qui a été chef, la chef protocole de Dadis. Et depuis qu'on a tiré sur la tête de Dadis, est-ce que vous l'avez entendu parler? Vous l'avez vu? Elle est où maintenant? Ah bon, voilà. Ah non, non. C'est pour vous dire combien de fois ce pays, il y a toujours des coïncidences. Mais quelle coïncidence? Ça veut dire que c'est les mêmes cartes qu'on joue. Oui. Oui. Parce que, Ali Doumbouya, je parle sous caution, était très proche de Bouba. Et Madame Mali, c'était notre voisine à Lambaye, une dame très sympa. Mais voilà, elle était conçue. Mais elle a été la chef protocole de Dadis. Voilà. Alors, et voilà le problème. Et, alors, l'autre aussi, elle avait envoyé. Elle était vraiment activiste. Elle est partie. Pour quelle mission? Parce qu'on le sait. Dès qu'on a pris le gros lapin, il a été assassiné. Bon, elle aussi, elle est partie ailleurs. Voilà. Elle est décédée en 1986. D'ici là, elle n'a pas parlé, hein, beaucoup. Je crois qu'elle a écrit. Bon, peut-être que je vais consulter, si je ne m'appuie. Alors voilà la dame. Coïncidence. Si vous avez remarqué, en Afrique, beaucoup qui étaient mariés. Amadou Diaw, sa femme était métisse. Il a dit Amadou Cameroun, hein? Oui, sa femme était métisse. C'est vrai, sa femme était métisse. Ainsi de suite. Il y avait beaucoup. Voilà. Pourquoi? Point d'interrogation. On n'en sait rien. Mais, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi hier, moi j'ai parlé d'elle, précisément. Il faut que les Guinéens comprennent qu'au nom du panafricanisme, notre pays a été géré par beaucoup d'étrangers. On ne peut pas parler d'étrangers en Afrique, nous sommes tous des Africains, mais quand même. Et la Guinée, c'est la Guinée. Et le Cameroun, c'est le Cameroun. Et la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Nous sommes un pays frais. Mais les Ivoiriens, jamais. Les Ivoiriens nous disent qu'ils vont construire un stade pour nous. Ils vont construire un hôpital pour nous. Ils vont nous aider. Et ça leur plaît aujourd'hui de nous aider. Ouais. Les chefs politiques de l'Afrique, pour ne pas répéter les mêmes fautes et les mêmes erreurs. Ouais. Quand tu dois copier, il faut copier quelque chose qui est bien. Ouais. Nous n'avons rien contre Mamadi. Mais ce sont pour les narrés. Anaram, Araïsa Kolo. Et Rémi Katéran, Rambakor Miri. Tu n'as pas besoin d'aller dans solo avec ton chapelet. Venez nous voir, on va vous dire ton sort de demain. Ce qui va se passer demain. Moi, je peux vous le dire. D'ici décembre, ton régime, comment ça va être en déconfiture? Et ton régime est déjà en déconfiture. Vous ne pouvez pas, parce que vous avez pris le pouvoir. En disant quelque chose au Guinée. Et là, on vous a dérouté complètement. C'est-à-dire, il y a bien une panarie. C'est pas la prise d'appuyer. C'est ça, le travail du PDG. Comme Baouri. Baouri a dit à tout le monde, s'il s'est engagé dans la défense des droits de l'homme, c'est parce que son père a été assassiné. Il a été arrêté par le régime de Sékou Touré à tel fait. Et Sénégal a reçu à Rogne, et putain, il a reçu à Fara. Si c'est vrai, et est-ce qu'il sait où se trouve la tombe de son père? Si c'est vrai, si ce n'est pas quelque chose qu'on a imaginé, toi tu peux aujourd'hui couper les Chines encore avec le PDG, mais c'est pas vrai. Si la Guinée n'a pas changé, le droit de l'homme aujourd'hui, dans un gouvernement où le porte-parole dit qu'il va mettre le droit de l'homme en parenthèse, entre parenthèses, mais il faut quand même que tu dises que vraiment l'ambition qui t'a poussé à faire la politique, c'était pas ça. Maintenant, vous avez compris qu'il faut quand même prendre votre part aussi. Mais c'est tout. C'est de tourner autour. On a un problème en Guinée, nous n'avons pas des hommes de conviction. Dès que tu viens, on te dit, ah, toi, tu laisses ta famille galérer. Quand tu laisses comme ça, il faut prendre ta part. Ta part que tu prends là, c'est un poison. Tu n'as pas besoin de vivre de ça.
Mato, on est bébé de vrai tiré à la. Et frère Idori, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien. Et ils sont dans la galère. Parce que vous allez vivre dans la misère, parce que vous êtes en train de soucher le sang des pauvres types guinéens. Mais c'est pourquoi on m'a résistonné. Bon, et toi, t'es moi, Yengira, alors, Rafa. Et on a des standards pour en condamner, mané, pour vivre dans la misère. Et c'est comme ça. Mon frère. Non. Qui pouvait imaginer que Baoul pouvait être chef du gouvernement et qu'il y a un prophète. Oui. D'abord, il dit, moi, je suis courant encore. D'abord, quand je te dis, souvent, tu fais du tort au Malinké, non, frère, mais attends, il y a qui? Le gars qui est là-bas, il dit qu'il est le courant encore de Kissidou. Nous avons parlé de la frère, etc. Anabé. Je n'ai jamais cherché à me comprendre, mais moi, j'ai toujours dit que Cancan Yati, ce n'est pas les Malinké qui gèrent Cancan. Eux-mêmes, ils sont sous domination, ces eux. Non, pas le fait d'Angola, mais qui fait courir ça pareillement. Je sais de quoi je parle. Même Toya Kondé, c'était un Kouranko. Ouais. Je n'ai rien contre les Kouranko. J'ai des Kouranko dans ma famille. Je jure sur mon honneur, je mets ma main sur le Coran. On a même une sœur qui est douanière, qui a fait des enfants avec Mara. C'est une sœur adorée. Nous ne sommes pas ethnos. C'est des amis qui sont grands corps. Mais tu connais un peu ce qui se passe. C'est lui-même qui parle. Dans un gouvernement de transition, l'épigie d'un chef de la transition, de faire seulement de détruire ça, ça peut être une infraction mineure. Tu peux répondre devant le juge correctionnel. Oui. Ça peut être une amende. Ça peut être quoi? Dire que celui qui a fait ça, je l'ai tué. C'est ce qu'il voulait dire. Et après, il me dit, celui n'a même pas fait de bien. Et que Baoul n'a pas réagi. Il n'a pas demandé le départ de ce préfet. Il n'a pas impacté contre une action contre ce préfet. C'est qu'il n'est pas défenseur de droits de l'homme. Il n'est pas un homme de faire les droits de l'homme, il est chef du gouvernement. Où je pars, où toi tu restes. C'est pourquoi je ne peux pas travailler avec n'importe qui. Est-ce qu'il aime même Mamadi? Non. Et moi, je vais vous faire une confidence. Les gens qui pensent que, ah oui, président Sidia, ceci, cela, écoutez-moi très bien. Le président Sidia, à un moment, après mon départ de la CENI, il a voulu m'envoyer à la CENI. Encore. Il m'a dit, 2 ans après, 3 ans après, 5 ans après d'ailleurs, après pour le deuxième mandat d'Alpha, il a dit, est-ce que ça t'intéresse au moins de travailler pour nous à la CENI? Mais je t'envoie parce que je sais que vraiment tu es bien et tu as parlé d'éthique. Et puis toi, j'ai de l'admiration pour toi. J'ai dit, monsieur le président, c'est pas la peine de le faire. Je ne veux même pas me retourner là-bas. Hein? Deuxièmement, Alpha ne signera jamais un décret me concernant. Vous êtes sûr, hein? Alors, c'est pas la peine de vous fatiguer. Je n'irai pas là-bas. Oui. Quand il était le haut représentant, il m'a demandé aussi à base, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu veux quoi? Je dis non, monsieur le président, vous travaillez. Il m'a expliqué pourquoi il est venu. Parce que les caisses étaient vides. Avec le coup KO, il n'y avait plus rien. Oui. On vous laisse la Guinée dans les mains de l'enfant. Vous continuez à faire des manifestations, il y aura la guerre civile en Guinée. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il ne le souhaite pas. Ou vous l'aidez pour redresser un peu à travers un premier ministre qu'il va nommer parce qu'il a changé. Il a mis maintenant un technocrate qui est Mamadi Youla. Et c'est pourquoi Mamadi Youla a pris des mesures draconiennes pour remplir les caisses parce qu'il n'avait plus rien. Le gouvernement de Koukao avait vidé complètement les caisses de l'État. Ce qu'on n'a pas voulu dire aux Guinéens. Pourquoi il y a trop de malhonnêteté dans ce pays? Pourquoi les hommes politiques acceptent de parler par quoi? Parce que si vous ne parlez pas, la population ne connaîtrait pas certaines raisons. Il y a eu beaucoup de pression en disant accompagner Alpha parce que c'est ton deuxième et dernier mandat. Pour que au moins, je recourir,
soit connecté. Parce qu'il a posé ce problème au temps de l'Assemblée Conti. Il y a des gens qui ont dit non, nous ne sommes impunis, souverains. Le PDG encore s'est réveillé. Comme si il avait donné le courant à toute la Guinée depuis combien d'années. Ah oui, nous, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui va nous donner le courant. Mais en attendant, vos enfants étudient en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes honnête avec ce pays? Est-ce que vous êtes honnête avec ce pays? On a la vérité historique qu'il faut dire aux gens. Ce projet a retardé. Et finalement, interconnexion, parce que c'est prévu par la CDAO. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est la Côte d'Ivoire qui donne le courant au Togo, au Bénin, au Niger, au Mali, une partie, au Burkina. Le Ghana aussi a donné le courant à la Côte d'Ivoire à un certain moment. Kourma avec tout ce qu'il a fait, mais il a organisé, il a quand même réalisé un grand barrage. Il avait posé des actes. Nous, montrez-moi ce que le PDG a fait en Guinée. Ce qui peut le survivre, c'est-à-dire, et puis dans la barre de la Guinée, dans le Nourri, dans le on a pas là, ça c'est un natif. Vous parlez du peuple. Le palais du peuple, c'est un don. Est-ce que le palais là, par rapport au palais qui passe dans les autres pays là, vous avez le palais et tout? Le palais là, ce palais là, c'est un don de la Chine. Vous voulez? Ce palais aujourd'hui, attends, ce palais répond aujourd'hui à des noms? Non, pas du tout. Vous avez vu le palais que les Chinois ont donné aux Ivoiriens à Yamoussoukro? Oui. Vous avez vu leur palais? Vous avez vu leur, et le siège de leur, des tribunaux à Abidjan? Vous avez vu le siège du Parlement? Pardon? Le Parlement ivoirien, vous avez vu leur siège? Mais Mangetti, madame Fela. Non, Utulumati. Vous avez vu le palais? Le palais? Le palais présidentiel du Bénin? Il va la toile à Kinaré par rapport à notre palais. Même notre palais sectoriel ne répond pas non. À des normes. Non. Mon frère, il ne faut pas quand même. Ce palais-là aussi, c'est un don. Le palais du peuple, c'est un don. Le palais Mohamed V, c'est un don de la Corée. Le stade Nongo de l'Ansana Conti, c'est un don. D'ailleurs, c'était prévu comme un stade municipal. C'est Kouyaté qui avait demandé à l'époque, et dans son gouvernement, et il faut quand même faire un grand stade. La Guinée va payer, hein, et au moins, il faut faire quelque chose de grand, au moins. Et là, ça va nous permettre au moins d'avoir un stade. Et le projet a été révisé. Les Chinois ont travaillé jusqu'à au niveau de temps qu'ils nous ont donné, mais le reste maintenant, le gouvernement a tardé de payer. Et entre-temps, Kouyaté a quitté et l'autre est venu à mettre une soirée. Et après, c'est le coup d'État. Et après, la junte est venue. Le stade s'est dégradé, ainsi de suite, jusqu'au temps de Alpha Condé. On était obligé encore de reprendre tout. Parce que les compresseurs, les suppresseurs qui étaient là-bas, tout a été volé. Mon frère, non. Il faut dire la vérité à ce propos. Ce peuple, c'est un peuple martyr. Il faut dire à ce peuple qu'en face de ce stade, là où on a construit des villas, là, avec Dano Sarkadi et autres, là-bas, c'était le charnier. À l'époque, le Réfara, le Rétouma Mené, Kambouaro, et sa Béki, et sa Sénékoué, et sa Béniké. Vous pensez que ce pays-là, on peut aller sans quand même se défouler un peu, se dire l'état de vérité, chacun cherche à couvrir les crimes d'État, ça ne marchera pas. Si nous prenons la parole, nous ne prenons pas la parole pour dire de n'importe quoi. Et ceux qui pensent que moi, c'est pour passer par quelqu'un pour me convaincre, pour revenir avec le CNRD, ne vous trompez-vous. Alim Koulena Mati Manga Bibé. Dignement. Nous préférons les travaux de ma COVID, nous vivons dignement. Mais nous voulons manger, nous avons fait dans la famille, nous avons fait dans maman. Si vous êtes sur la bonne voie, vous n'organisez pas des crimes, vous ne faites pas des trucs, vous pouvez vous accompagner. J'ai dit ça à Mamadi, en face, avec mon frère, avec tout le respect que je vous dois. Si vous êtes venu faire comme Jerry Aolid,
je suis avec vous, je vous accompagne aux belles institutions, aux organes de direction, pour donner la chance à tous les Guinéens de se présenter. Alpha Condé n'a pas Ouara présentera. Nanan, Kanoua a parlé de Kine. Kanoua a parlé. Il n'y a pas de problème. Il est condamné. Ça, c'est ton problème. Mais il vient de Ouara présenter. Narad Boukane, il m'a gagné à Faïra. Où est-ce après, vous allez revenir. Nous avons parlé d'Anna Ramato. Depuis ce jour, nous n'avons pas de loi 17 pour la loi. Parce qu'on n'avait pas les mêmes objectifs. Parce que les gens de PDG, ils ne s'appellent pas. Ah oui, 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 parce que nous ne pas, mais ils ne s'appellent pas. Ah oui, oui, il y a une affaire bien. L'affaire là, il ne faut pas laisser ça. C'est d'ailleurs. C'est comment ouais. J'avais dit déjà, pour faire 5 ans. Le monsieur était sur la bonne voie, avec la CDAO, avec toutes les institutions. Il a piégé le Mamadi en lui disant, il ne faut pas écouter tel, il faut récuser tel. Et finalement, Mamadi s'est vu isolé. Sinon, personne n'était contre Mamadi. Et comme il a fait le décès, personne n'était contre Mamadi. Et tout le monde était prêt. À partir du moment qu'il a pris le pouvoir, malgré qu'il y a eu des ratés, mais ça y va dans la gestion de l'État. Vous pouvez réparer tout ça. Mais au cas, il fallait sauver la Guinée d'une guerre civile. Maintenant, vous venez, vous êtes en train de faire pire. Et les mêmes. Alpha a réussi. Je ne sais pas quelle a été votre négociation pour le libérer. Et vous avez fait. Je ne sais pas si d'autres ont primé, ils ont pris de l'argent avec lui, parce que tout est possible. Mon frère, moi je ne peux pas m'associer à ça. C'est tout ce que je vous ai dit. Vous voulez de moi pour crédibiliser votre pouvoir. Je suis d'accord, mais pas pour la dictature. Si je devrais accepter ça, mais je devrais accepter ça pour Alpha Condé. Pourquoi pas? Tout le monde s'est servi. Mais aujourd'hui, qui vit dignement? Personne. Nos frères qui sont en prison, il n'y a pas ce qu'on leur a pas dit. Arrêtez, démissionnez. J'ai écrit. J'ai dit à Kassori, anticipe. Et dans ce avis. Sinon, aujourd'hui, c'est lui. Il allait être écouté aujourd'hui. Et alors? Il y a d'autres qui ont dit que non, le quatrième mandat, on va le donner. Mais allez-y. Regardez-vous un peu. Pas raisonner avec l'émotion. De l'émotion à l'action, il y a une pause qu'il faut faire. C'est la réflexion et l'analyse avant de prendre une décision. Nous sommes émotifs. Voilà. Et il ne faut pas céder à l'émotion. Et c'est pourquoi moi, j'ai la sérénité. Parce que j'ai appris le droit pour défendre mes propres droits. Et je sais que je vais avoir des obstacles encore, mais ces obstacles, je vais les surmonter. Et je vais vous dire aujourd'hui, même si c'est Dalène qui décide aujourd'hui d'accompagner Mamadi, moi je vais dire non. Même si c'est Sidia qui dit aujourd'hui, avec son parti, avec le parti, pour accompagner Mamadi, moi je dirais non, je n'irai pas moi. Au moins, j'ai cette liberté et j'ai cette faculté de dire non. Voilà, moi. On ne peut pas me mettre dans quelque chose si je n'ai pas été concerté. Mon frère. Non. On est avec. Là, on a fait la même. Il a fait la même. On a trouvé la même. Non, mon frère. Il a des droits. Et ces droits-là vont être respectés. Car, on décide parfois, mais on va le comprendre. Parce que, il dit, oui, lui, c'est un avocat, il ne peut pas faire comme moi. Moi aussi, je vais lui dire, ah, mon frère Malik, t'es un technicien. Il ne peut pas être comme moi. Et voilà. Il me conseille quelque part, moi aussi je le conseille quelque part, c'est ça, on se complète. Oui. Voilà, cette dame qui a travaillé, et elle était guinéenne parce qu'elle avait la nationalité guinéenne, et c'est elle qui était le représentant, la représentante, et on a même dit l'émissaire du président guinéen, Sékou Touré. Alors, maintenant, et elle a été quand même neutralisée par les services secrets américains. Parce que, non, on ne lui a pas fait du mal. Ouais. Quoique, ses parrains, il y a un de ses parrains qui travaille avec ses services. Alors, on l'a retourné. Voilà. Et sinon, pas. Et souvent, on est.
le, comme on le dit, le grand lapin, quand il s'est échappé, et le grand lapin, c'est l'Umba qu'on appelait le grand lapin, a mis le cap plein et sur Tanléville à l'époque, et c'était son bastion, c'était son fief. Bon, il va commettre aussi des erreurs, parce qu'il a été, il a retardé avant de rejoindre, et puis bon, il a été encore arrêté. Mais lui-même, je l'ai dit hier, et je le répète, mon frère, en politique, ton adversaire, mais ton ennemi n'est pas celui qui est en face. Ton ennemi est dans, ta, dans ton propre camp. Tu vois la mer? Oui. Ton vrai ennemi en politique, on ne peut pas aller chercher ailleurs. Vous êtes dans un pays bête, organiser des concours d'injures. Moi, j'accepte. Mais sauf que celui qui vit en Europe, il nous combine. Il n'a pas dit combien, il n'y a pas de problème pour ça. Je ne veux même pas te répondre. Mais quand tu vas au-delà, je vais intenter une action contre toi ici. À Londres, partout. Parce que ça, c'est mon droit le plus absolu. Et je vais le faire sans problème. Et je n'ai même pas besoin de payer un confrère pour ça. Parce que je connais, j'ai mes relations, j'ai mes réseaux. Voilà. C'est tout. Et là, on a Bamanara. Belle quoi. Là, je ne dis pas parce que quand tu veux gérer ce pays. Les gens qui le poussent à faire, Trama, ça pas mal à Bandabé. Non. Il y en a qui disent que c'est un peu mal à Bandabé. Voilà. Il y a un peu mal à Bandabé. Il y a un coulon. On me retourne par ma caméra. On me dit que c'est un rapport qui bat, mais il y a un mati. Où est-ce que tu me respires là? Où est-ce que tu me roules là? Aujourd'hui en Guinée, si vous avez cherché les gens au niveau de Capo Rive, qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Rien. Mais avant de donner là-bas à des sociétés immobilières, hein, vos parents encore, vos propres sociétés créées, pourquoi ne pas donner ça et viabiliser maintenant pour donner aux propriétaires? Ou bien les indemniser et prendre l'argent que vous avez encaissé là pour leur donner, ils n'ont qu'à aller s'installer là où ils veulent. Pourquoi vous voulez communautariser? Ainsi de suite. Vous voulez encore aller retirer les domaines agricoles des autres pour encore faire. Toujours nos parents, toujours nos parents. Moi, je demande à tous les Guinéens, quittez dans l'adversité inutile. Donnons-nous les mains. Nous sommes des victimes. Dans toutes les régions de la Guinée, c'est les autochtones qui sont des victimes. Oui, à Cancan, c'est les natifs de Cancan qui sont colonisés à Cancan. Je le dis, je sais pourquoi je le dis. Parce que je connais la sociologie de mon pays. Je connais l'anthropologie, j'ai fait des recherches. La preuve, celui qui est tenté de tuer les enfants de Cancan aujourd'hui, c'est un Kouranko. D'où? Et c'est lui qui le dit, et il est de Kissidou. Est-ce qu'il peut tuer un de ses frères qui touche à l'effigie de Saud? Et puis il va jusqu'au. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Que lui, de la basse côte jusqu'à Kélouani, que c'est lui qui est l'homme de confiance de Mamadi. Un policier tortionnaire qui dit des choses comme ça. C'est pas un premier acte comme on a dit. Il avait fait d'autres actes aussi, auparavant. Ils ont intenté une action contre lui devant la justice, au temps de chat. Il avait fait d'autres bêtises. Mais il est protégé par qui? Pourquoi il est protégé? Voilà la question. Personne n'est contre Mamadi. Tout le monde vous a applaudi. Quand vous avez commencé à trahir vos amis, quand vous avez commencé, hein, et les 30 millions, ou combien de millions que vous avez trouvé sur Alpha, quand ça a commencé à disparaître avec vos entourages, quand vous avez commencé à faire des choses, tout le monde a compris que, Bababo Djouloula, ce que les Malinké disent, Bababo Djouloula, ce qu'on avait espéré, c'est pas ça. Voilà. Alors, c'est ça. Moi, aucun chef de la junte ne m'a déçu. Sauf vous. Pourquoi? Parce que j'avais mis beaucoup de confiance en vous. Oui. Et en votre parole. Mais, sinon, moi, je ne comprends pas. Voilà. Pour moi, vous n'avez pas fait, vous avez sauvé la Guinée. Parce que le pouvoir était
Mais la constitution était déjà signée. La première constitution de 2010 était déjà. Hein? Et la nouvelle qu'on vient de proposer, mais, de la colonne, et antique peuple de Massara. Et n'a rien de s'améliorer pour me raboter, parce que je vais voter, je vais parler. Mais Nama Tongo et Mata Pacifi, je vais demander de venir là-bas. Il n'a rien de venir là-bas. Où est le conseiller de Alpha? Tonton Fofana, il est où? Mais il est tranquillement assis où? Au Sénégal? Mais, il était au Canada? Mais dans sa... Son fils? Alors? Mais il n'a pas été inquiété? Et pourtant, c'est lui qui a été l'architecte de tout ça. Vous l'avez laissé partir. Dans ce de quoi? Bon, après, les autres aussi, tous ceux qui ont fait du mal, vous les avez laissés partir. Maintenant, vous avez recyclé encore. Les anciens qui roulaient autour d'Alpha, et vous les avez mis autour de vous, et vous avez... Mais c'est ça la vérité. Il a fallu même Moussa, et Moussa Konaté, c'est un ami, mais c'est quand les gens ont parlé de lui, il était déjà chef de cabinet, je crois, ou bien quoi, mais en tout cas secrétaire général, il avait eu un poste au ministère de la Santé, ancien député de coronavirus de troisième mandat. Mais vous l'avez accepté aussi. Il a fallu qu'on parle d'un détournement au niveau de la pharmacie centrale. Et c'est pourquoi, quand ça a crié, vous avez encore ralenti un peu, et puis après, vous revenez sur votre décision. Mais celui qui a fait arrêter, Aïdé, Bérété, qui était secrétaire général à l'Assemblée nationale, mais vous l'avez récité. Elle avait dit qu'il n'y a pas de recyclage. Voilà les gens qui ont contribué avec AIP pour changer les résultats. Et pour l'avènement de l'Alpha au pouvoir, il a étudié en Algérie. Nous comprenons. Tous les gens qui nous fatiguent là, ils ont étudié dans les pays où il n'y a pas de démocratie. Mais la démocratie était en bien. Je comprends. Hein. Hier, j'ai parlé aussi, ceux qui ont changé les résultats, j'ai oublié le nom de Cheikh Fantamadi Kondé. J'ai oublié le nom de qui encore? J'ai oublié le nom de le CENI, camarade, que son âme repose en paix. Mais il était plein là-dedans. Voilà. Est-ce qu'il y a une logique dans ce que vous faites? Ou même, asseyez-vous, vous allez voir. Mais on vous a fait croire que vous allez gérer la Guinée comme le PDG l'a fait. Mon frère, vous vous trompez. Je vous suis, les temps ont changé. Même au Maroc, le roi Mohamed V, Mohamed VI, était obligé de demander pardon aux Marocains par rapport à ce que son père a fait. Oui, parce qu'il y avait des prisons là-bas où d'autres ont perdu leur vie, ils ont été paralysés. Il a demandé pardon, il a réparé ça avant de continuer. Et ça, il l'a fait, ça fait au moins 20 ans. Vous venez maintenant, et au 21e siècle là, et vous voulez faire quoi? Mais vous ne pouvez pas. Parce qu'on peut gérer la Guinée comme Idi Amin Dada. Vous pouvez gérer la Guinée comme Mobutu, celui qui vous a dit ça, il vous a menti. Vous allez trouver des patriotes en face de vous. Quel rétime en est. Et puis même dans ton camp là, parmi les forces chrétiennes, il y a des gens qui ne vont pas accepter ça. Je suis convaincu. Et ça viendra. Voilà. Vous n'avez pas de conseiller. C'est que ceux qui t'ont dit d'aller réchauffer les vieilles sauces là. Mais mon frère, on vous a menti. Vous n'en m'acceptera. Et leur combine, ça ne marchera pas. Et puis, je vais demander quelque chose de très humblement aux Guinéens, à nos mères, nos sœurs. Pour Tanandibari, ma autre Andibari, Rouenet Koulou. N'accepte que Père Andri Farah au Térévan. Moi, j'ai été très, très choqué pour l'appel. Le pédiatre là qui est mort, Makoloto, Makolotina. Mais c'est une injustice. Rive photo agressé, ou Farah. Ah non. Ça, c'est pas du pays, ça. Et que même préfet encore de la deuxième capitale de la Guinée se permet de sortir pour raconter des conneries comme ça. Et lui-même, il le dit. Quand on donne la parole je ne sais même pas comment il a dit. Il dit, quand on donne la parole, Al-Bakouma dit,
Je ne sais même pas comment il a dit ça. Et quand on donne la parole à un Kouranko, il va faire quoi? Mais il ironise ça. Et il se moque même de son ethnie. Ah non. Est-ce que le monsieur là il est normal? C'est des éléments de Idi Amin ça, qui parle de n'importe quoi devant une nation. C'est pas la peine même de. Mais si lui-même il est Konyanké, pardon, il est Konko. Ah oui. J'oublie, hein. Maintenant, vous accusez de Malinké, vous accusez de trucs, ainsi de suite. Et tu vois, Idi Amin, tu sens qu'il n'est pas intelligent. Billahi wallahi ta'ala, il n'est pas intelligent. T'as vu comme il a traité le dossier de d'André? C'est une façon de révolter les gens contre Mamadi. Oui. Il a foutu le poids de Mamadi en l'air. Je jure sur mon honneur. Tu as vu ce qu'il faisait là? Il prend des mouchoirs de cette tourée. Il va faire des choses comme ça. Est-ce que cette dame peut même. Qu'est-ce qu'elle a besoin de tout ça aujourd'hui? Je pense qu'elle avait besoin aujourd'hui de l'entretien. Bien avec Alama. De voir la Guinée réconciliée. Oui. Demander pardon. Aux Guinéens. Oui. Par rapport à ce qu'ils ont fait. Au même moment, elle a 14 millions de dollars à la Bank of America. Pour faire avancer ce pays. Depuis les années 60. Nassar a raconté moi-même. Adresse, Massanta et autres. Raradi. Mais ce sont des gens-là qui sont des patriotes. Mais mon œuvre. Alors, et lui-même, ce qu'il est en train de faire, lui en personne, même Idi Amin, ils ne font que voler de l'argent et aller mettre ça dehors. C'est tout. Quand il meurt, et puis. Mais c'est pour enrichir. Non, mais mon frère, vous tout a pris combien? Des milliards, hein? Ah, mais ça crée bien à quoi? Zéro. Ah bon? Tout ce que Bokassa a pris combien? Hey, ça c'est autre chose. Ça lui a crée bien à quoi? Zéro. Tous ceux qui ont placé leur argent en Suisse, partout, ainsi de suite, ils ont enrichi l'Occident. Oui. Et moi, je ne connais pas les Blancs pour ça. Non, ça, c'est la si toi, tu ne connais pas la valeur de ton pays, non. Si tu ne connais pas la valeur de ton pays, moi, je cherche de l'argent pour mon pays et pour donner de l'emploi, bien-être à ma population. Mais si tu en vois, mais moi, je prends l'argent là, je fais travailler et ça donne des intérêts. Et ces intérêts-là, je te donne. Oui. Quoi qu'il est venu, il est allé prendre notre argent qui est à Genève. Il a vidé les caisses, il a transféré. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Qui lui a demandé? Jusqu'à présent, est-ce qu'il a fait le compte rendu? Non. Est-ce qu'il a parlé de ça? Non. Arrêtons un peu. Et ils protègent leurs enfants. Ils protègent leur camp. C'est le même camp. Mamou Kouyaté, Idi Amin, et Abaka Sidiki, sa femme, mais Murphy Dali. Voilà. C'est la même assise. C'est la même ancienne Tergar Wallace. C'est à la Sigmadina là-bas. Ils ont baillé là-bas. Hein, Papagui. Maintenant, c'est une usine qui est là-bas. Il est parti en prison pour toi. Et on est en train de prendre la résidence des gens. Ira Bangé Bambi, Ira, Moussa Rabama. Kouyaté, Ara Guinée, Babaroy. Mais elle n'était que gouverneur. Mais elle ne pouvait pas, son père ne pouvait pas avoir là-bas. Parce qu'on vous parle à Rouman. Mais maintenant, vous dites que ce que ce pourrait donner, c'est juste. Ce que l'on a raconté à donner, ce n'est pas juste. Mais attendez, vous moquez même ce que ce pourrait donner, c'est juste. Un chef de la junte. Et quel chef de la junte encore? Vous vous moquez de nous, mais c'est quoi? Ils ont baillé là-bas à Jean Gazan. C'est un hôtel qui est là-bas, à la cité ministérielle. Et vous n'avez pas cassé ça. Vous êtes allé casser le restaurant de la petite fille de Toumane Sangaré. Or, Toumane Sangaré a beaucoup fait pour la Guinée, plus que hein, et le beau-frère de Soud. Oui, c'est moi qui le dis. Parce que je les ai vus à l'épreuve. Au moins, et chez lui aussi. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Alors, ça, mon problème. Mon problème, c'est l'injustice. Mon problème, je vois mon pays. Il y a des
qui a tout sauf l'essentiel. Je vois à la basse-côte, les gens ne devraient pas mourir de faim là-bas. Il y a tout. Il y a des plaines, il y a tout pour travailler. Au Paonabinounakana. À Koussa, il y a des plaines là-bas. À Farana, Dabola, même à Tigri, il y a des plaines là-bas. Au Rabinounakana. Vous avez tout foutu à l'air. En forêt, on n'en parle même pas. La Guinée, c'est un don de Dieu. Au Fouta, on n'en parle pas. Parce qu'il y a des coins là-bas où ça neige. On peut faire tout. Tout. On peut cultiver tout en Guinée, en fonction des régions. Tantan, projet coton. Vous êtes venu, est-ce que vous avez fait quoi? Alpha est venu, il a fait quoi? Quand ça raconte qu'il est venu avec le président Sidia, il a fait. C'est pourquoi moi je l'apprécie. Hein. Moi je ne l'apprécie pas parce qu'il me connaît. Moi, quand je partais à la CENI, il ne me connaissait pas. Je n'avais aucun lien avec lui. Il m'a rien donné. Et moi, je suis quelqu'un qui est indépendant. Oui. Et deuxième tour, quand j'ai démissionné, Selou m'a demandé de travailler avec lui. J'ai dit non. Alpha a demandé de travailler avec lui. J'ai dit non. Oui. Parce que Alassane Conné n'est pas mort. Sissé n'est pas mort. Hein. Oui. Alors, le patron de Toyota, il n'est pas mort. Hein. Il est. Ou le Falamanensé de Sénégal. Vous pensez que tout le monde est comme vous? Demandez à Kirdi. Depuis qu'il a commencé, s'il m'a vu dans son bureau, une fois même pour aller demander quoi? Demandez à Kata, à mon frère Kassol, s'il m'a vu dans son bureau, où est chez lui? Je ne suis pas de chez Jacques Dom. Voilà. Demandez à Kirdi si je suis parti chez lui une fois même. Non, je me croisais dans nos familles, quand il y a un problème à Boutra, en famille d'abord, on se croise, il peut être, c'est pas. C'est tout. Et à quoi? C'est tout. À Ontifo. Mais le reste, non. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas les affabulateurs. Oui. Je n'aime pas écouter des balivernes et des mensonges. Et des trucs. Non. Moi, je fais des recherches. Et je compare aussi. Et je recoupe aussi. Voilà, mon frère. Alors, brièvement, si tu as d'autres questions, on peut évoluer sur ça, ainsi de suite. On a, on m'a borré dans la fée, comme on le dit souvent, on m'a oigné et on m'a regretté le pouvoir de ma sarafé, la Guinée, Mamadi Rafa. On m'a regretté le naram Riobé. Mais Haraba Fanira, on s'est comme la Fanira, on m'a ramé à Fanira, on m'a dit, mais quand qu'il est, parce qu'il a roulé dans le coup. Et Tayata Colon, il te doit consciencieusement, il n'en a pas fait enfant. Toujours, on t'a mon manga soi, on m'a pas maïra. Mais, on n'a pas fait parce que c'est un bien commun. Ah non. Il n'a pas fait ma maman, parce qu'il n'est jamais trop tard. Hein. Ibn Adam a fait à l'enfer. Toi, attaque, barakol, pendant 3 ans. Mon frère. Oui. Mon frère. Non. Même si tu donnes 5 ans à Mamadi, il ne pourra rien faire en Guinée. Même si c'est 10 ans. Même si tu donnes 10 ans, il ne pourra rien faire. Tu sais pourquoi? Oui. Descartes disait que chaque gouvernement monte avec les embryons de son échec. Mamadi, nous avons voulu fournir une théorie. Enfin, le gouvernement a voulu fournir une théorie à nous, au PDG. Il ne fera rien de bon. Pourquoi? Tu sais, faire des tourner des bétons là, faire des cités comme ça là, vous pensez que ça le développement d'un pays? Quand même, la main. Ah non, mais vous vous trompez. Il va laisser la Guinée en faillite et qui va nous conduire à une guerre civile. Notez-le très bien, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Je le dis avec le cœur serré, mais c'est ça la vérité. Avec l'équipe là, avec son parrain là, avec Idi Amin, qui voulait le pouvoir plus que lui, il va le mettre à nu et il va le livrer aux vindiques populaires. Il est en train de faire comme Mobutu, après, entre Kadaboubou et l'autre là. Voilà. Patrice Lumumba et autres. Il a été troisième personne et puis il les a opposés et il a joué entre eux après tout de vous massacrer attendant à pas de pouvoir. C'est ce que Idi Amin est en train de faire.
et il a saboté le pouvoir de Mamadi. Il a dit que tout le monde connaît son sale caractère. Mais il a cassé le pouvoir. Les militaires aujourd'hui, tu sais au départ pourquoi ils voulaient que les militaires soient en uniforme. Mais heureusement, les forces spéciales n'ont pas tenu gardé. Et les bureaux de bataille qui sont vraiment des militaires, ils ont dit non, 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 ça ne se fait pas. On n'a pas vu ça dans une armée. C'est pas une tenue adaptée. Parce qu'il faut envoyer une tenue. C'est comme les pères de je dois recevoir des gens, et si vous n'avez pas de questions, non, vous pouvez me les poser, il n'y a pas de problème. Non. Je vous laisse l'antenne. Non, faut le faire, rien. Bon, d'accord. Il y a que le mairie qu'on s'est fait. Mairie, on a retard, maman. Maman dit, il y a que le faux des femmes, des sada ou moi, qui est fait dans l'eau. Il a 17 millions de personnes en Yaïk. Parce que ça n'allait pas en Guinée. Tout ça là, n'a rien tout ouéma, y compris moi, il a droit. Nakolo, il a cellule de réflexion, n'a rien à la terme des mouffants, il a ouéma. Mon frère, il n'a jamais trop tard. Il n'a rien tété. Il cherche à se torber. Quand même, on a se torsindé. Il regrette à la. Parce que tu es encore jeune, hein, mon frère. Il faut arrêter les tueries dans ce pays. Avec le détournement du tenu public. Il faut arrêter ça. Donc, ça, c'est un faux type. Tu le laisses faire ce qu'il veut. C'est pourquoi c'est pour lui, le pays. Il m'a tourné autant d'alpha, y compris les autres, qui ont toujours géré la transition. Tu n'étais pas là. Il y a Balanga Nanama. Ce scénario, il y a une Gaouya Roma. Il m'a rouillé Burama. Il y a que le Naranaki. Mais il y a la Guinée qui a fait Rémouno et sanctionné des Mouno à la Guinée là. Pour que les gars aussi disent ailleurs, problème Birina, Menine, parce qu'à Mouyarama, ils ferment tout. Même c'est lui, ils ferment tout. Moutawam, la Guinée, l'économie a utilisé la Guinée, comme on le dit. Nta Moumanga, Sui, Ma Bame, Itana Bame, et Nta Mara. Personne n'a le culot, moi, de m'arrêter. Non. Parce que nous avons fait rien maintenant. Moi, c'est ma Thomas, c'est une vécure nanée. Après, nous voulons créer une arme. Nous avons droit de bébé pour améliorer les conditions des gens, et puis un groupe donné, et puis laisser la population guinéenne. No way, Marabama.
élection préparée, Rimouna Mafou. Bah, il y a un numéro qui est 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 un Tout le monde n'a qu'à aller travailler. Borisso, Mireille, n'a rien nommé à Yalande pour toi, pour moi et pour les autres. Nos enfants également. Na, Mabadine Nabe, Nabiru Luna, le président n'a pas d'amis. Non. N'tayat Luna, n'tantide Yomuna. La Guinée est un enfant. Il faut voir quotidiennement aujourd'hui en Guinée. Nanana important. Anta fala imura fama. Fode na imura fama. Tant mieux. Mais la Guinée est tongo, nanfa. Et ya ma la Guinée est tongo mana kiné. Ira sosoro irame. Ira woyirame. Nde non di fala mebe. Nde wule fala mebe. Mo fala na alphabet. Ou l'Irani Rouati, ou non, Gakombe organisé, critiquer les gens, comme je vois mes jeunes frères, Nde, na Konakri, et si ma wena, mon frère. Nta ma fala ma mérite, ma faibe, connaissant que dans le catafolet, depuis Konakri, et mon lima, parce qu'il y a un lima, il y a un lima, il y a un lima, il m'a dit, ton achat dans la banque centrale, parce qu'il y a un rabat qui Et moi, je suis venu à la maison. 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 Va travailler ou apprendre quelque chose. C'est tout. Je suis venu à la maison. Je suis venu Il faut que je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu Terminé. Je suis Et tout le monde, il faut dire faire. Je suis venu à la maison. Je suis pour des années. Hein? Non. Miri n'a pas évolué avec moi, n'a calculé ma kina en tanakolo. Fifini miri roriat ramana kifri na la saran de tombari kissima. Terminé parce que mon dernier n'a mousso manafankui. Rio mouna douné n'a moua mali roma. Nare ibe d'organiser les élections tanafra ibe. Aïwa ma fafi. Miri n'a falame ben tank bimouna nana. Afifa ma kina re. Pour gérer correctement dans l'intelligence ce pays. Il faut te débarrasser des crocodiles, des prédateurs, menteurs, langues. Et tout le monde, mon frère, c'est des fatigues. Et là, je suis dit, je suis dit, ne abri nanyira be woro non a fan detail ba be igina tega ma dunira pe wata c'est quoi ça pdg évoluer na kine en me re fara e ga gine ga fera anu ume na raso geli ko ana amina ga gine bar di sagambari wata ayla nga fara tangeli c'est nyanga ma di begbe na lima fora ko na de ga di a e a samedi solandi en de bana Oui, parce que à le temps, il faut que je me dise, il faut que je me dise. Donc, il y a un signe de me dire, il faut que je me dise, 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 il faut que C'est très grave. Je me dis, c'est un espoir. Moi, je ne suis pas escroc, hein. Je suis loin d'être escroc. Maraba hamfa, maraba hamfa. Être escroc pour un être humain. Maraba, il faut une femme. Il faut des mauvais espoirs. Parce que pour nous, c'était fini. Il y a mille là, c'est des crocodiles. Il y a des gens qui sont là. C'est trop. Moi, je le connais très bien. Je ne connais pas.
tant non tamo barwe. Je l'ai dit. Baskot na kinare. Baskot radie la mera den régir wona be grenara. Moinara. Amona ba madunia dede. C'est l'Amérique là, Ohio, géré par les natifs de Ohio. New York la même chose. C'est ça parce que chaque état a un gouvernement. Ndé na ma contraire la mine, il y en a pas. Mais ino ce sera un mode de vie colo. Il n'y a pas de il a été malin. Il m'a tout moi, je suis un peu mais je suis un peu parce que tout le matin, on a plan ça. Et puis après, on fait nous tendre des miettes pour vous suivre comme des moutons. Non. Ça, il faut équilibrer les choses. On a fait la fibre. Maman dit, il y a armement, il y a qui convoite. Passer sur partout, important sur maman. Na trafic d'influence na nak. Na mo mutanga ni madeude. Ce sera là mais. Il va défiler, faire nous montrer de dunia nan tegari oui. C'était pas nécessaire. Et bunada ma ravi nana, et tu comptes qui? Contre les Guinéens. Faut na juger qui n'a rien à colon et moi à minima et tout le matin faut des relis parce qu'il dit souvent que tu le respectes à relis à grâce ou une camarade quand la Guinée n'y auront inutile tout le minara qui m'a dit à bout ma en ami d'ordre et moussa fait d'aider je suis sur moi terminé quand m'a rien mourir vénara je n'irai nulle part je suis sur moi. Moi, je suis sur moi. J'ai plein de place. Plein. Je viens de dormir. Je voilà. Baskot n'a plus une colonne, n'a plus une vécu. De Conakry, Fria, Poké, a plus une hasse dans sans salaire. A plus une colonne. Donc, n'a plus une machine. N'a pas de système créé dans la langue. Tant que mon arati. A mon sigama, maman dit dans la marbre. Parce qu'à Tambari, il y a un problème. A Barato, Ibn Adam et Lama, il a évolué. Qui n'a pas de ma fécule. La laisse débarrasser avec tous ces trucs-là. Hé! On farme rue à pauvreté. Gardez ce que vous avez et retirez-vous dans everything, c'est-à-dire à Biri. Moi, Mato, même les contrats miniers, c'était d'arrêter et résilier certains. Mais jusqu'à présent, les compagnies minières versent l'argent au compte des anciens dignitaires. Pourquoi? Ça, c'est un bien commun. Il fallait résilier tout ça là et dans son nom. Miri Nere Lama, Khali Imato, ils t'ont recommandé des gens qui peuvent les protéger. Quel nabirinkoui. Il regroupe force spéciale Esrou, les anciens. Yesrou. Il y en a un homme qui protégerait avec des intellectuels guinéens. Il y en a beaucoup. Et ma sigamane Miri là, parce que Nde Moutima. Miri Bangkere Nanfema. Il Bangkere. Mais chambre ça en a naïbe. Pourquoi avoir 50 maisons? Ça n'a aucune importance. La Guinée-Can a dégué, la Guinée-Can a dandan, la Guinée-Can a beau rafou, non, non, importance, rien, non, non, non. Alana Firima, comme on le dit, je ne peux rien, mais je vais te dire la vérité. Ala ria me ala rina me ndan kerengamu na la Guinée kara nkerengam baskot kara mais je ferai ma part, anyway, pour ma communauté et pour mon pays. C'est tout. Je ne contre-rendrai personne. Je dis ça à haute intelligence, voix. C'est clair. Voilà. Et ta Marouf Kaba, tu vas beaucoup souffrir ici. Il faut te mettre en rang, il faut te mettre à jour. Hein. Comprends? Moi j'aime beaucoup
beaucoup, j'aime beaucoup tout le monde. Et mettez-vous à jour, hein. Sinon, ne pas mener bébé. Faut te mettre en rang pour aider ton président là-bas. Et pour aider la Guinée, c'est tout ce qu'on nous. Comment je te demande de faire. Arrêtez de faire les parties prises là, ça n'avance pas. C'est la Guinée entière qui souffre aujourd'hui, ok? J'ai des frères qui sont dans l'armée, qui sont même dans force spéciale, dans les autres corps. Tu comprends? Des amis. Je m'en fous. I don't care. Vous me relis, moi. Et t'en as collé, n'en a pas fait. Rafaï, t'en bé. Rafaï, à retraite, bé. Rafaï, à boribé. Et t'en as collé. Moi, je n'ai rien à voir dans ça. Ce que je suis en train de faire, c'est un fang bin en aki. En arame, on brin en arame, en arame, mais. Et à voir les sous. S'en bé, n'aï, fait carré, n'aï, c'est brin, n'aï. Donc, on a un moment où on a fait la base de la clôture. Il n'est jamais trop tard. Arrêtez les tueries et condamnez les malfaiteurs tels que le prophète de Cancan. Voilà, je suis un peu plus de temps. Et. Voilà. Il y a un peu plus de temps. Mais toi, tu penses que tu gères les animaux? Ça. Et vous voulez qu'on vous accompagne dans ça? Non, non. Maître Abbas. Oui. Et que l'on on informe, on dénonce, mais on ne sait rien de, on m'en consigne ma fille. Et là, je fais la Guinée, et ma banou, la Guinée, régnère mes bateaux. Et là, Mérana Serba, avant qu'il ne soit tard. Oui. Et. Bon, et. Je m'excuse, hein, bon. J'étais en pleine consultation là. Oh oui. Oh. Et. Voilà, mais. Au moins, on m'a dit au monde derrière que le Massim. Oui. Nous avons dit que non. C'est notre pays. La Guinée est plus que nous. Oui. La Guinée doit être plus que nos intérêts. Égoïste et personnel. Oui. La Guinée de demain, c'est la Guinée de nos enfants. La jeunesse que nous sommes en train de produire aujourd'hui, cette jeunesse qui va gérer la Guinée de demain. Oui. Si cette jeunesse n'a pas d'avenir, sauf pour aller au Méditerranée, ainsi de suite, le pays là n'aura pas d'avenir. Il a dit que c'est un peu plus rapide, il va venir par les mains. Ouais, non, mais écoutez, Wad, ouais, il l'a dit. Ouais. À un moment, quand vous vous sauvez, vous avez école et rabbi, plus que les cafés bars, les boîtes de nuit, ainsi de suite, les écoles professionnelles, comme il y a Farama Kinare. Et on a vertu. Et le patriotisme, on a dit, ce n'est pas la démagogie et la manipulation, le pays n'ira nulle part. Oui. Je vous dis, tant que vous avez l'esprit de PDG en Guinée, la Guinée ne s'en sortira pas. Dire quelque chose et faire le contraire, ça ne marchera pas. La vie appartient aux hommes de parole. Nos parents ont toujours dit à Malinké et Kandimba, au Fouta, en Aldi, en Basse-Guinée, il n'y avait même pas de papier. En forêt, c'est pareillement. Un pays des faux, c'est un pays qui va rester dans la misère. Personne n'amènera son argent dans ce pays, sauf encore que c'est les autres bandits qui viendront investir sur eux. Et quand il y a un régime comme ça, je vous le dis, vous parlez encore de 2040 pour Nimba. Et Nimba, un jour, va échapper à la Guinée. De par la corruption, de la manipulation, nos richesses vont nous échapper parce que nous avons pris beaucoup de contrats, nous avons fait beaucoup de choses dont le peuple n'est pas au courant. Et au nom de la Guinée. Et je vous dis,
le pays là aujourd'hui est au bord de l'implosion. C'est fini. Notre unité s'est menacée. Quand j'entends les gens dire « Ah, c'est un problème de Haute-Guinée », ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un problème de Haute-Guinée, ce n'est pas un problème de Basse-Guinée, ce n'est pas un problème de Fouta, ce n'est pas un problème de forêt. C'est un problème des malhonnêtes. Les gens qui ne veulent pas travailler et qui sont en train de sucer la Guinée. Et ils ont infiltré l'État, ils ont pris l'État en otage. C'est le bon moment que les Guinéens ont besoin des patriotes convaincus et dans l'armée et ainsi de suite pour raser une partie de cette classe politique-là. Si vous ne le faites pas, un jour, c'est les Nations Unies qui vont le faire pour la Guinée. Parce qu'aujourd'hui, c'est un pays, si ça continue, on finira par mettre la Guinée sous tutelle. Vous avez vu la Somalie ? Jusqu'à présent, il n'y a pas d'État là-bas. Pourquoi ? Parce que c'est la dictature de Siad Barre. Et finalement, ça a été liquidé d'une manière, et voilà. Quand le pays tombe dans les mains des novices, les gens qui ne font que faire des effets d'annonce, trompés. Mais il y a quoi ? Il n'y a rien. Vous avez pété là. Vous avez gaspillé des milliards. Ça vous a donné quoi ? Résultat zéro. Parce que vous êtes en train d'escroquer le peuple aussi est en train de vous escroquer. Oui, envoyez l'argent, on va manger. Parce que c'est l'argent du peuple. Vous n'aurez pas la paix, le peuple n'aura pas la paix. Parce que ce qu'on vous donne aujourd'hui, c'est que les gens vont manger. Demain encore, le même problème revient. Qu'est-ce que vous avez réglé ? Rien. Alors, c'est le bon moment que les patriotes civils, militaires, ainsi des citoyens doivent se donner les mains pour sauver la Guinée. Je ne dis pas les démagogues. Je ne dirais pas les gens qui ne sont pas honnêtes, qui ne veulent pas reconnaître, qui ne sont pas patriotes. Parce qu'on a enseigné en Guinée que la politique, c'est la malhonnêteté. Et tant que ça, c'est ancré dans la tête des gens, vous n'irez nulle part. Ceux qui ont gâté la Guinée sont venus d'ailleurs. Je l'ai dit hier. Les Comoras ne sont pas des Guinéens d'origine. C'est pour qu'ils n'ont pas pitié. Ils se servent de cancan, mais les vrais dignes fils de cancan souffrent. À Kounsa, c'est pareil. Regarde, qui parle de la famille de Laï Camara ? Qui est plus Kounsaka que Laï Camara ? Il y a lui-même qui parle comme ça. Est-ce qu'il est de Kounsa ? Il est doux. Il est en train de tout mélanger. Quand il parle, parfois j'ai de la nausée. Excusez-moi du terme, mais c'est comme ça. Si on dit que c'est l'homme, c'est l'élite de l'armée guinéenne, mon œil, connaît même pas l'histoire. Et le général de Gaulle, c'était un grand historien. Tout ce qu'il a écrit, il connaît l'histoire de son pays. Il connaît encore l'histoire des autres pays, parce qu'il a fait saisir. Est-ce que lui, il a fait saisir ? Non, je ne le crois pas, ce n'est pas vrai. Voilà. Abéouya, allez-y sur l'essentiel. Ce n'est pas les jésus qui vont régler ça. Parce qu'un beau matin, ce pays-là n'aura rien. Même ceux qui vous donnent l'argent là, pour le Simandou, ils vont arrêter. Vous ne pouvez pas continuer à arnaquer les gens. Avec un secrétaire général du ministère à la présidence qui ne peut même pas suger avec complément. Un simple rappeur. Mais la Guinée est tombée trop. Je vous en prie, aidez ce pays et les patriotes doivent se donner les mains. Et ce que j'ai dit la dernière fois, moi j'ai commencé par ma stratégie. D'abord, celui qui a trompé, c'est Sekouba Konaté et Idi Amin. Il faut commencer à entamer des actions contre eux. Et le prophète de Farana, j'appelle le barreau. Et le préfet de Cancan, le barreau n'a qu'à intenter une action contre lui. Parce que les violations graves des droits de l'homme, le barreau peut se constituer partie civile. C'est ce que je demande à mes confrères. Même si il n'y a pas de justice, mais déposer une plainte contre lui. Il n'est pas au-dessus de la loi. Il se promène là-bas et puis il vient, il tue. Hein? Quelqu'un comme ça, il pense qu'il a, il a un permis pour ça. Non, mais... Alors... Je vous en prie, maintenant c'est les actes. Nous avons trop parlé. C'est comme nous avons demandé aux Guinéens. Si, vous pouvez ne pas aimer Abbas, vous pouvez ne pas aimer tel, mais aimez au moins votre pays. Aujourd'hui, même nos contigui, quand ils tombent malades, ils vont les évacuer sur le Maroc. Ouais. Et après on va dire, ah, l'intéressé est décédé, il faut cotiser encore pour ramener le corps. Un pays qui se dit indépendant depuis 1966. Même les Tunisiens sont fatigués de nous.
Excusez-moi, j'ai une Tunisienne en face de moi. Voilà. Non, voilà. Voilà. Même les Tunisiens sont fatigués de nous. Et je vous dis merci. Merci. Voilà. À vous aussi. Merci, monsieur Bangoura. Là, lui, va continuer. Il va Walima. Oh. Le clon. Il n'a rien à dire. C'est le guéré, Soma. À mon guéré, gris. Motanto ouais maman mon frère canari et un manga so motan ma souris maman bah mais oui non boria il a ma flatterie mon boria il a ma c'est comme essentiel là ma maman dit mon nom fala fibre dans ma valeur en oui mais I don't care allez mon oui aluna primo élection organisé enfant. Il n'est jamais trop tard. Acheter des armes, faire quoi? Non. Il m'y a l'angri pour gérer un État et ma clou. C'est pas avec des habits ou avoir des garde-corps ou des belles voitures ou. Non. C'est à partir d'ici. C'est tout comme moi. Hein. Tu penses que je suis préparé pour gérer un État? Non. En fin de temps, il faut que j'aille me préparer conséquemment pour faire face. Alors, la même chose que tu devais faire, que là, que Nali m'a signé s'y préparer, en même temps, il fallait ma rien, tongo, ça va, même si, d'abord, il faut de 10 ans, soyez rien. Même si tu fais 50 ans ici. Immaculé. 50 ans, tu n'iras nulle part. Ce gars s'est préparé pour gérer un État. À la bas, m'a dit. Il faut des relais. Je suis malade. Parce que j'étais à Conakry en l'an 2016. Naranto. Mais de mousse comme ça, mais c'est la bad. Non. La loupe. Faut des relis. Rafa la belle mère en Araba. Irato, il y a d'abord mon arrangé falame, ibe. Qui in Araba. Alouman allo. Il ne s'est amorti, fait ton massarane. Je suis allé à la Guinée, parce que je suis allé à la Guinée, 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 à la carrelage, maçonnerie. Quel Facebook, ma! Doine yato, il n'a se fallu à mon bête, y'a quoi comme métier? Rien! Va apprendre. C'est un manaké. Ou si, ou ça. École technique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ou si, ou métier, tinka. Ou ma côté, mon mérite, d'orma. C'est-à-dire, Mamadi Niki, ou bien Kiri Nariki, ou bien Deba, a domané l'or Kirin, a mouy raï femme. Mere mou fami malama, mere rilima. Non, mou sigama. Nalam fala maube, han a fin de retard, il est temps. Dit Toromane Bugo. Voilà. PDG n'est pas mort, hein? Farité. Marouf Kaba, stop it!
akhamo ni la gadi medine la allo alko ya lu matora be ha ha ide ba pedise ka i baba nana ne allo ni baba rego parce que je vois les frères te commencent à te répondre on a rioli ma bama nki ke kere na figa malu kwa khanu ngwira me khama tuna ki problème na mulanga no mangle de ya tino mangle de parce que na malima ni accepter na lu kwira matu ira non di matu al ko ina fara wule na gonyi se woni fe wo gonyi ni fe rabbi akosi abaranya lagina barfa inoma ira kharili la fadi na komiti tu nandi muwama na ngwa biringa kharili la fadi na komiti se kombi andena mba me tangu ndia traveler imira communauté représenté arrêtez d'insulter c'est pas ça la bonne solution hein parce que ça ne dérange rien mais tu vas beaucoup souffrir ici parce que imwa na ngwa manabrin falaman alko très bien fode Abbas Bangoura merci alaga isarefi mbari guya khayma arigli rafala ben alla maraba ya kosko zanu lagne ga girara akul madfin ya ne ga interview na yira ben nasa mama madira me londe yam sa sirbena amawarima 27 août 77 bayi e yidi na bari yi kinare abame fanyi na kine mon en a souhaité police et économie mrik begbena ira yu gouvernement ku flatema arbar mobri ya worena de fria ene bangal matetongo obri nan nara eto atamambara finde sabura lagine rakana arba ya worena bangal matet un erreur conduit dans ce gouvernement être conseillé quelque part je ne sais pas il y a audité maintenant fait dans le danger EDG bah akaray na na bah c'est pour détruire les preuves d'après ce que j'ai eu comme information autour de lui que c'est ce qu'il a étudié à Vancouver ici c'est-à-dire tu voles tu effaces les traces c'est un technicien hein? Mais rien n'a rien mona imuna imusoma na domaine ya tima ifa na kan kana ifa mena na tana lakini tefe bangal matena kui c'est eux qui organisent tout mon frère muyerma ndana fala kibe ali kamala na ngui be c'est un faux type bandi bangal maté mamadi kaira fanni ma nsese fale be dunia ina lara ni nalfa ko nakana feu a comprendre l'air na amu no ma solo ona fala mana fambe ki na tulo ro wana ho nge kombi ah de tire biro ku nga kombi tima amu fanaki fo nga ibori rave fala nego parce que ramri baba ke na ranga i baba ke ma kona lagina ta ombe ngbe na rago et puis na e mando ngoine nani I comme missionnaire ne rien parce que rien de na Conakry bientôt il va quitter à de rencontrer les jeunes soussous parce que jeunes soussous n'a pas motivé mais c'est fini non car limona ce sera gaspillage inutile nanaki imu erasara ira do inga someira e ga dunia na somi na somi di e ga ba na flatterie brima d'aller travailler barame ay na rabatu moi même je vais te choisir mais il est ritamara non yandi faut de abasser le de e tarana ra gunta mara na i do dena dena kabir wule ha mal fara je suis choqué
que vous voulez une barbe, parce qu'à masque à qui au colo. L'on est en arabe, à la chose naïbe. On a lancé un compte, c'est un an, mais non. Mon frère, il a un entourage à Pirin, dinosaure nera, tête de mou, la guinée à femme. Amateur tout, et ça est rare. Fincare bamre, mon frère, ah, pas oui, mon ma sembera. Donc, tout le monde a ma manine. Alors, quand je vois ma intervention, il faut que je prenne de vue, il n'y a rien. 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 Rio, quand je vois Falama, on a Rio Debra, au Raïso. Quand je vois pour la base, la même chose. So, c'est ça. Et là, tu as la créature, le politicien, blogueur. Ça, ça la connaît. Mon enfant, le bébé, et bien, Ousmane Kabé, il fait un nom de l'enfant. Non, la Guinée est politicien. La Guinée est politicien, ma gare où? L'enfant d'or, à France, qui a fait des détails, il y a dit comment la Guinée est endettée, comment la Guinée est parmi les pays les plus pauvres. Au fond, la colonne tourne. Marga, mouille, tire. Oh, aïe, 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 here's Bernie Moreno on abortion. This is not about women's choices. Absolute pro-life, no exception. No exception. No exception. My position is. Bernie Moreno. Puta moa merongo. Awa, wanda mabena tuye. Ala la Guinée fang. Ala la Guinée dira feburma. Je vous remercie. Thank you.